puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui baisseras les talons. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il te dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé des l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cette ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est là que tu as mangé. Mon Dieu, qu'on va bénir pour nous, mon Père, à ton verset 19. La bénédiction de Dieu. Nous saluons dans le nom de Jésus. Je dis à ces dernières semaines, dans le mois janvier, nous sommes toujours là chaque lundi, chaque vendredi, matin, midi, 7h, midi. Pour qu'on puisse aider quelqu'un dans la prière qui a un problème pour la prière. Bien que dans cette fête-là, nous avons empêché de rater quelques jours. Je pense que ça a créé une déprogrammation. Même les gens qu'on est, nous avons là demain vendredi. Et nous avons là dans tout l'autre jour que nous sommes toujours là, dans le lundi avec vendredi, chaque 7h pour midi. Alors, quelquefois, après, nous avons là-dedans. Là, les lundis, alors pas facile de vendredi. Maintenant, là, si vous avez un problème pour la prière, nous pouvons être pour nous capables de vous. L'autre bagage que nous voulons faire connaître, alors, j'ai pris une décision pour capable visiter quelqu'un de la caille dans quelques jours dimanche. Mais, nous n'avons pas une chance de faire annonce là. Et ça te permet que nous ne pouvons jamais faire ça. Mais n'importe qui a un problème, soit pour la prière. Alors, il y a un problème pour qu'on gagne, même si vous venez là, vous voyez vous, ça ne va pas résoudre le problème là, parce que quelque part, le problème là, comme dans le cas là. Donc, si vous avez une prière à la caille, si vous avez quelques conseils pour la famille, on est capable toujours de jouer avec Diakio. Après le service de dimanche, je fais connaissance et je fais contact à vous. Il y a une adresse à vous et il y a visité ou il y a aidé dans ce sens. Nous avons été libres dans Genèse 3, verset 14 à 18. Mais jusqu'à avant, nous parler quelques mots dans le passage là, nous avons chanté un cantique ou bien un ticket. Un ticket, on dit, est-ce que vous ne connaissez pas, c'est un spécial, c'est où bon Dieu choisi pour témoin. Est-ce que vous ne connaissez pas, oh, Seigneur spécial, c'est vous, bon Dieu choisi, pour témoin. Pour qui, pour mes joyaux, et pour toutes, Jésus, m'a dévoué, a inquiété.
Seigneur Dieu tout puissant, nous venons non pour s'enrayer, pour s'en faire, pour s'en café en plus, parce que nous sommes Dieu qui va y victoire, qui va y sécurité, qui va y protection. Nous sommes Dieu qui compte lever les filles, nous sommes Dieu qui compte les roches, nous sommes Dieu qui compte résoudre problèmes, nous sommes Dieu qui compte changer l'hiver en été, nous sommes Dieu qui compte changer l'automne en nouveau printemps, nous sommes Dieu qui compte changer les temps et les circonstances. Rien n'est pas impossible pour le Seigneur. Et si ce n'est pas grâce à vous, si vous n'avez pas de capacité, ça, nous-mêmes, nous n'avons pas de chance pour nous dans l'âge aujourd'hui. Mais c'est à cause des capacités ça vous gagne par une puissance qui a doublé ou par une puissance qui a troublé ou par une puissance qui a renversé ou par une puissance qui a en face. Et bien quel que soit ça le monde satané qui a fait, mais on va pas en face parce que vous c'est bon Dieu qui est celle la terre que la mer que l'homme à son image et à notre semblance. Devant va gagner notre pouvoir, devant va gagner notre puissance, devant va gagner notre autorité, devant c'est pour toute chaîne réfléchie, devant c'est pour toute tête baissée, devant c'est pour toute face prosternée contre terre, parce que vous savez, Dieu, là, on parle de toute éternité en vaille. Seigneur, nous comptons sur présence, nous devons accepter, nous demander toute grâce à vous. Au nom de Jésus, sauveur, nous, lui qui verra au siècle des siècles. Amen. Bon Dieu, bénis-nous. La sainteté, le péché et la grâce. Tout d'abord, nous bien connaissons que Genèse 3, c'est un chapitre que tout le monde a habitué avec, en pile, en pile, en pile. Parce que même si nous connaissons le chapitre ça, nous connaissons qu'à l'origine que de la création, bon Dieu a créé l'homme et la femme. Maintenant, les débats ont une condition. Et les conditions n'ont pas respecté. Et l'idée dit, il y a qu'à servir tout le monde qui est dans le jardin, maintenant, tel pied n'a pas servi, parce que si on servit, il y a mouru. Maintenant, dans l'ordonnance qui est de Bayoua, il n'y a pas respecté. Effectivement, le diable vient de Bayoua au conseil. Et puis, il préfère écouter conseil le diable au lieu d'écouter conseil mon Dieu. Eh bien, il a mangé. Et depuis lors, il a séparé avec mon Dieu. Rat spirituel qui est sur Yohali tombé, relation mon Dieu de gagner avec Yohali perdu, avantage que vous avez gagné dans mon Dieu perdu, vous l'avez dit à vous. Et depuis là, l'homme trouvait dans la difficulté pour ne pas vivre la vie. Parce que, il perdit la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, l'homme n'est rien. Maintenant, l'homme vient de trouver commencer à réfléchir mon hier de qui ça va faire pour l'utile de parce que mon qui est responsable il décolle sur lui il a gagné des bras balancés et ça allait plus loin lorsque l'éternel vini qu'on est à la brûlée personne va répondre après un pile relais il répond il dit c'est pas attendre on va attendre mais c'est parce que tout tourné on va la présenter devant la venue de Jean Maxime. Je ne sais pas combien de monde qui est tout tourné dans l'assemblée. Mais on a des choses que je connais. À la minute que on a vécu dans le péché, où sont les gens qui sont tout tourné et où ne pas prendre la vie, la main de Dieu. Là où tout tourné,
comme serré au côté. Et c'est là le problème, par le fait que vous tout tourné, vous avez tout tourné, mais quand vous êtes obligé de serrer au côté, vous n'avez pas qu'à avancer et de la présence de Dieu, parce que vous avez la honte. Péché, c'est pareil qui fait monde, honte. Maintenant, Matthieu, il y a trois bagages que vous voulez partager avec vous. L'homme est créé sans péché. Et plan bon Dieu pour l'homme, c'est de vous vivre ensemble avec l'homme. C'est lui qui a orienté l'homme, c'est lui qui a conduit l'homme, c'est lui qui a montré l'homme toute sale doit faire, à toute sale va doit faire. C'est lui qui a toujours ensemble avec l'homme, pour être capable de faire ensemble avec l'homme, pour être capable de combler l'homme de toutes sortes de bénédictions. Mais désobéissance, l'homme séparer l'homme avec bon Dieu, et ça permet que l'homme dans la difficulté. La bénédiction va commencer mieux. Maintenant, dans verset 15, après l'homme fin péché, l'Éternel fait yon promesse. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ma mettez en séparation, la paix de diable. À la ville que tu vas vivre dans le péché ou que tu as uni avec Satan. Donc, puisque Damien a écouté voir Satan, il obéit à Satan, donc il est uni avec Satan. Mais lorsque l'Éternel vient, eh bien, premier bagage qu'il fait, il prononce une malédiction sur ce serpent qui déporte le message là. Et deuxième bagage qu'il fait, il met en séparation entre le diable et la femme. Il dit que le diable qui vous a blessé Damien sous talon, et d'amener, il vous craser tête, serpent. Qui ça l'a expliqué là? C'est parce que la prophétie qui est dans verset 15, non? C'est un rédempteur qui est bon Dieu pour le bail pour capable de délivrer l'humanité. La bête de Dieu, comment c'est mieux? Et rédempteur, c'était Jésus. Le temps qui a accompli Jésus pour la connaissance pour capable de délivrer le monde des péchés. Et puisque Jésus prend la connaissance, il prend le passé dans votre fille. Par le fait que c'est dans votre fille qu'il prend le passé, et bien ça montre que c'est par la femme que le péché a dépassé pour l'entrée, et la grâce pour y passer par la femme pour l'entrée, ça symbolise un crasement des têtes pour le diable, la bête de diable. Mais, il prend le blessé d'âme sous talon, ça veut dire, c'est parce que un jour, Jésus de alléluia, gloire à Dieu. Un jour, Jésus de monter la croix. Et par le fait que Jésus monte la croix, il est crucifié sur la croix, il est sorti dans votre fille, et puis il y a des campagnes qui t'ont regardé, dit ça au lait, il croit ses petites, et Jésus de yé, et il y a un choc qui est entré sur les lavages de diable comme à Samuel. Et je veux comprendre que qui qualité de problème que péché a créé entre l'homme avec bon Dieu. Premièrement, soit regardé dans le passage là, l'Éternel paraît sur eux et puis il a prononcé malédiction sur serpent, il a prononcé malédiction sur Damnan, il a prononcé malédiction sur Messière. Parce qu'il dit Damnan, moi j'ai augmenté peine grossesse ou pas l'enfanter avec douleur. Quelquefois, des gens qui ont voté, depuis même le jour où ils ont tombé dans le vote, ils ont commencé à cracher, ils ont commencé à vomir, ils ont pas à manger. Des gens qui ont vomissement, ça a conduit 9 mois pour que je sois accouché. Des gens qui ont conduit 3 mois, ils ont dit que je suis 3 mois. Mais des gens qui ont voté, ils ont fait une sèche contact parce qu'ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas levé rien. Des gens qui ont allé dans le docteur a dit que je suis pas équipé pour lever. Son qui est là, peut-être qu'il y a un commerce mieux. Donc c'est péché là qui fait ça. Deuxième châtiment qu'il déposait sous Damnan, il dit Damnan, n'importe décision qu'on le prend, c'est pour porter devant Marie ou c'est Marie ou qui peut décider avant, la belle de diable. Et Marie ou besoin dominer sous décision. Ça, c'est difficile en plus.
Maintenant, il a avancé sous monsieur, hein? Malédiction la prononcée. Il dit parce qu'on peut voir par moi, eh bien, on mange pas qui me dit bon, l'autre pas manger. Hein? Eh bien, la terre maudit à cause de vous. La terre maudit à cause de vous. La terre maudit à cause de. Et puis la terre va le produire rager avec piquant. Dans le passé, rager au patate qui est piquant, mais péché à permettre rager au gain. Alors piquant signifie difficulté, la maladie d'avant. Piquant signifie problème. Et même tout ça, par le fait que l'Éternel a prononcé malédiction, eh bien, malédiction a une multiplication qu'elle va faire sur l'homme. Côté que la balle mette l'homme dans la division, la balle mette l'homme dans l'orgueil, la balle mette l'homme dans la misère, la balle mette l'homme dans la maladie, la balle mette l'homme dans la persécution, et en retour, la mette l'homme dans la mort, et en retour, l'homme a mené quelquefois dans l'enfer, parce que la Bible a défini la mort trois fois, il a parlé de mort spirituelle, il a parlé de mort physique, il a parlé de mort éternelle. La Bible dit à vous, à la minute que vous mourrez sur le plan spirituel, alors mon qui mourrez sur le plan spirituel, c'est mon cap commerce, c'est mon cap travail, c'est mon cap prêcher, c'est mon cap parler, c'est mon cap chanter, vous voyez? Parce que vous avez fait une action, mais la vie spirituelle a mouru parce qu'elle est séparée avec mon Dieu. Pour la vie vivante, pour la vie spirituelle, elle est unie avec mon Dieu, pour que l'esprit est unie avec l'esprit de Dieu. Mais si l'esprit n'est pas unie avec l'esprit de Dieu, donc vous c'est un mort spirituel, la paix de Dieu. Moi, je connais quelques personnes quelquefois. Moi, songe me dit un ami, c'était un professeur et c'était un avocat aussi. Et il était marché dans la rue 12 et on l'aime parler avec elle. Il dit que lui-même il pas mourir. Là, peut-être qu'il n'y a pas de mieux. Mais pendant qu'il dit qu'il n'y a pas mourir, Michel est mort déjà parce qu'il a vivre en famille sans pourtant il va te marier. Ça veut dire, sur le plan spirituel, ou bien dans l'esprit, il est mort déjà. Or, de vous mourir dans l'esprit, vous allez mourir toute l'autre mort. Mais si l'esprit est vivant, ou seulement mourir, mort physique, vous allez mourir, mort éternelle. La vérité est déjà. Maintenant, pour l'esprit vivant, pour que l'esprit fasse un seul avec, cet esprit bon Dieu. Ce n'est pas parce que vous venez dans l'église qui fait l'esprit ou fait un seul avec cet esprit de Dieu, au grand jamais. Par exemple, quelquefois, il y a un prédicateur qui vient prêcher, et puis, le monde qui vient après le prédicateur, il fait un appel, il dit si vous êtes venu là par curiosité, puis vous comportez avec Jésus, parlez son pas, acceptez Jésus, et quelqu'un qui passe devant, et puis il dit bon, je viens accepter Jésus. Ou fait déclaration que vous d'accord pour accepter Jésus, mais vous pouvez accepter Jésus. La vérité à vous. Ça fait vous pouvez accepter Jésus. Les gens acceptent. Alors, il y a un verset qui explique ça. C'est Jean 14, verset 15. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça veut dire que là où vous êtes là, vous priez pour vous, vous dites accepter Jésus. Mais vous pouvez accepter Jésus. Qu'est-ce qu'on fait? Ou faire décision pour accepter Jésus qu'on est là. Qui là où va accepter Jésus? C'est là, par exemple, où commencer à comprendre la volonté de Dieu, ou commencer à appliquer la volonté de Dieu dans la vie. Et bien, lorsque vous décidez pour appliquer la volonté de Dieu dans la vie, et bien, vous savez qu'on est là qui accepte Jésus. Et par le fait que vous acceptez Jésus, et bien, quand vous avez des problèmes, vous ne pouvez pas subir. La vérité, vous pouvez accepter mieux. Par le fait que vous acceptez Jésus qu'on est là, ça veut dire accepter Jésus, c'est accepter la volonté de Dieu. Maintenant, là, il y a un monde qui passe, par exemple, il y a un monde qui va passer là, il va accepter Jésus. Et bien, maintenant, là, il peut accepter Jésus, peut-être c'est un monde qui va vivre dans le placé. Et bien, là, il peut accepter Jésus, soit c'est fille qui fait ça, mais Messie est dans la caille là, il retourne à joindre Messie, et là, il retourne à la caille là, là, il même j'ai été vivre avec Messie, là, il déjà bon. Or, est-ce que la vie est changée? Non. Mais quand il y a qui s'en va faire, l'elle commence à apprendre la parole de Dieu, la va disposer qu'on est pour vous marier. Pendant qu'elle va disposer pour vous marier, ça veut dire qu'on y a, vous commencez à avancer dans la gloire de Dieu. Et quand vous mariez,
Et bien, quand il y a, il commence à avancer, il va chercher le principe de bon Dieu, mettre dans la vie, et laisse ça, la capacité pour le capable de faire un seul avec bon Dieu, parce que il a accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter le principe de bon Dieu. Accepter Jésus, c'est accepter la loi de Dieu. Accepter Jésus, c'est accepter le commandement de bon Dieu. C'est ça qui veut dire accepter Jésus. C'est bien malheureux. Il y a des gens qui passent plus de temps dans l'église, mais qui ne jamais connaître rien dans mon Dieu, parce que ils ont seulement pour accepter Jésus, pendant qu'ils ont prié pour eux, mais ils ont même fait l'autre effort, et ils ont dit en vérité, c'est mon ça comme ça, qui souvent vont prendre un batterie, c'est mon ça comme ça, qui souvent vont des mauvais esprits, c'est mon ça comme ça, qui souvent mourir mort si vite, parce qu'ils ont cru dans Jésus, mais c'est dans l'église, et la vérité, on commence à mieux. Maintenant, sous dans Jésus, vous assurez. Nous avons compris ça, je veux dire. Tout le monde qui est dans Jésus, yo. Moi, t'as parlé avec un servant de l'église là. Il dit moi comme ça que il était malade, il était allé pour remettre la caillou. Et pendant là pour remettre la caillou, mon mari l'a placé avec un autre monde. Mais mon mari a placé avec là son mari ciel lié. Il a tellement de habilité dans la magie, il a fait Maria en cérémonie qui vient de faire dans la caille là. Alors, sale dit Maria, cérémonie hier, c'est pas salié. Au contraire, la cérémonie qui vient là, c'est pour venir tout et madame dans lui prendre la dette, la bête de diable. N'est-ce pas, dans l'innocence, il vient de faire cérémonie, mais là, sa madame dans la caille là, il vient, il couche son cabane. Pendant qu'il a fait magie, Damna a regardé. Et puis Damna dit non, on ne doit pas faire ça dans le monde. Il dit ça va faire assez affaiblir. Mais Damna dit que monsieur est venu avec une baleine qui a 21 mètres là dans lui. Alors pendant la dit ça, je comprends que il est venu avec un diable qui s'est relé, qui est dans les mots sataniques 21 nations. La belle diable. Et la cérémonie devant Kabon Damna. Et bien, l'un Damna ouvre ça. Après qu'il parle avec monsieur, monsieur va au Gibel, il tape garder monsieur et virer le monsieur à dos. Après, monsieur a fini de faire cérémonie, quelques jours après, mauvais esprit monté dans la tête d'âme. La vérité dit avant, oui. Ce n'est pas mauvais esprit monté dans la tête d'âme. Ce n'est pas seulement parce que monsieur a fait cérémonie loi, mais c'est parce que d'âme n'a pas gagné, j'ai Jésus dans même. C'est comme si vous pouvez accepter Jésus, la vérité à vous. Parce que vous acceptez Jésus, vous allez. Ou pas qu'à ouais, il y a un monde qui est chrétien, et puis là, vous faites devant, et puis vous êtes debout, vous ne pouvez pas faire rien. Non, là, ça, on va y aller, on va y passer. Mais si vous êtes rentré dans la vie, elle dit ça, magie va t'apprendre sur lui, la vérité à vous. Est-ce qu'il va accepter Jésus? Oui. Est-ce qu'il va être baptisé? Est-ce que mauvais esprit va rentrer sur lui? C'est lui qui peut l'accepter Jésus, mais il ne peut pas jamais accepter Jésus parce qu'il ne connaît pas le principe de bon Dieu, la vérité avant. Si vous pas appliquer le principe de bon Dieu dans la vie, vous entrez dans la vie. Moi-même, quand je parle avant là, moi, en effet, il y a un témoignage qui me bagaille. Il y a un témoignage qui me bagaille. Si je me bagaille, il a fait mon chuter. Parce que, quelqu'un a dit que c'est peut-être moi qui monté, mais ça va le faire pour m'empêcher. Moi, j'ai veillé sur ça. Mais je dis ça. Jésus est venu. Il est monté la croix. Il descend la croix. Il est rentré dans le tombeau. Pendant que Jésus est dans le tombeau, la Bible dit Jésus allait aux enfers. Et aux enfers, c'est là Satan est. Et il prend clé l'homme mort dans le Satan, la paix de diable. Et il prend clé libération dans le Satan. Et si on lit qu'on y a dans Matthieu 16, verset 19, où on voit que la parole de Dieu dit,
li met pouvoir à l'église là pour marrer et pour la guerre. Et toute ça l'église la marre sur terre, c'est la marre. On est bon? Dans le passage là, c'est comme si il dit qu'il va que le ciel là, la manière de avant. Ça veut dire que pendant que je suis là, je vais monter dans le ciel, je vais la terre, je vais monter dans le ciel. Qui est-ce que je monter dans le ciel? Je vais monter dans le ciel pour avoir des communications lorsque la vie en règle avec mon Dieu, lorsque la vie est alignée avec le principe mon Dieu, et bien je vais prendre le téléphone moi pour monter dans le ciel, pour me relayer Jésus à n'importe quel moment que je relaye, la répondre, la délivrer, la observer quelque chose pour moi, et le problème que je et la venir au secours de la vie, la belle diable. Laisse ça, je vais monter dans le ciel par l'esprit, la belle diable. Et maintenant ça, si vous êtes comme cela, vous voyez dans le ciel, vous voyez dans le ciel. Quand on commence à être dans le ciel depuis qu'on est là. La paix de Dieu, vous voyez. Si vous ne connaissez pas dans le ciel, vous ne connaissez pas dans le ciel, vous allez mourir. Parce que vous allez mourir, vous n'êtes pas dans la condition. Il y a des gens, je connais quelqu'un qui mourit, c'est le collègue, vous faites mourir. Vous ne connaissez pas tout ça. Je vais suivre un message que le pasteur a approché attentivement. Quand il y a 12 leaders qui ont fait exploration en Canada pour raconter Moïse comment le pays a été, là où il est pour le pays A, avant de rentrer dans le pays A. Et 12 leaders, pendant qu'ils sont allés, maintenant il y a 10 qui ont un mauvais rapport et il y a 2 qui ont un bon rapport. Et là où il y a un mauvais rapport, et que le peuple a protesté contre eux, ils ont décidé de retourner en Égypte parce qu'ils n'ont pas la vie devant eux, et parce que. Yo, on a fait avec l'idée qui va courir dans mon Dieu, l'idée qui va, qu'on accepte Jésus, la paix de Dieu. Eh bien, la vie tellement fragile, papa, l'éternel condamne les gens. Depuis ce moment, il y a un âge maintenant, papa, entrer dans le Canaan. Mais dans la condamnation, Moïse pas là-dedans. Est-ce qu'on connaît Moïse pas rentrer dans le Canaan? La paix de Dieu, oui, comment accepte-t-il? L'évangile n'a rien joué là-dedans, non papa. C'est le monde qui n'a rien là-dedans, non papa. Puis quand on a bien placé, non papa. Puis quand on a fini avec toute bagaille, non papa. Autant de rabbi au jour la terre, il y a un problème qu'on a confronté. Si on va mal, c'est si on se rit, papa. On va tomber, oui. Amen. Là, il te fait prédiction, moi, il se passe là-dedans, non. Mais moi, il se passe rentrer dans le cadavre. Allez, vous êtes dans l'évangile, non papa. C'est BCG, oui. Ah, faites attention. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Est-ce que vous acceptez le don? Si vous acceptez le don, vous sauvez. La manière de sauver, il y a des formes de sauver. C'est pas ça. Si vous ne pas sauver la terre, vous ne pas dans le ciel. Si vous sauvez la terre, tu n'as pas qu'à jour encore. La vérité est avant. Et là, vous savez, vous êtes quatrième dimension dans mon Dieu, puisque mon Dieu est composé de trois parties de Père, Fils, Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habité dans vous, vous venez vous présenter comme quatrième dimension dans mon Dieu. La vérité est bon. Laissez-moi vous faire un seul avec mon Dieu. Eh bien, mais quoi, maman, diable, mais quoi, papa, diable, bin bilé au nom de Jésus. La vérité est bon. Mais si vous arrivez dans la dimension, ça, vous êtes arrivé. Quittez-vous. Vous parlez de résurrection, vous gradiez année comme une année de résurrection. Quand on parle de résurrection, c'est que gagne la mort, la vérité à mort. Si vous parlez de résurrection, c'est gagne la mort. Et il y a plusieurs formes de mort. Il y a mort sociale, il y a mort économique, il y a mort intellectuelle, il y a toute qualité de mort. Mais maintenant, de façon symbolique, il y a toute qualité de mort. Je ne sais pas qui est mort. Est-ce que c'est une mort misérable? Est-ce que c'est une mort sociale? Est-ce que c'est une mort familiale? Il y a des gens familiaux rejetés déjà, la manière de Dieu, à la manière de David. Il y a des gens familiaux qui ne vont pas utiliser, même s'il y a peur de votre bagage dans la famille, ils ne vont pas la connaître. Parce qu'ils n'ont pas qu'à participer en argent, la manière de Dieu. D'ailleurs, ici même, le problème, pour Haïtien, pour eux, c'est des gens qui. Réaliser, c'est si on a de l'argent, on a des machines, on a des gros cailles. Et ça va libérer moi-même avant. Et Jésus venait de façon générale pour libérer l'humanité.
Est-ce que tout le monde est libéré? Vous parlez du 21e siècle de la naissance de Jésus. Ça veut dire que il y a 2000 ans que la terre a délivré déjà par rapport à Jésus. Et qu'on y a 2000 ans qui sont passés, ils sont rentrés dans un autre siècle, ils ont commencé un autre siècle pour prendre un autre millénaire, pour rentrer dans le troisième, pour continuer le troisième millénaire. Est-ce que le monde est délivré? Est-ce que le pays d'Haïti est délivré? La bataille de Yahoo, comment c'est mieux? Est-ce que l'église n'a délivré? La bataille de Yahoo. Bon, au moins, si toute notre bagaille n'est pas délivrée, si le monde n'est pas délivré, si le pays n'a pas délivré, mais au moins l'église n'a pas délivré. La bataille de Yahoo. Est-ce que l'église n'a délivré? L'église n'a pas délivré. Il y a quelques personnes qui délivrent. Mais l'église n'a pas délivré. La vérité de Jahovah. Dans le là ou là avec moi. Mais tout ça, le péché est entré par l'homme. Et même si j'ai dit par un seul homme, et bien la grâce vient par un seul homme, seulement par Jésus. Pendant que le péché est entré par Adam. Puisque c'est l'homme qui a fait erreur, qui n'a pas eu péché à passer André, c'est pas que plan bon Dieu. Qu'on est à bon Dieu pour utiliser l'homme pour renverser et mieux qui te mette dans le péché, mais il ne va pas renverser pour la vérité. Et ça me donne tellement clair à bord, quelques points pour ça. Ouais, j'en ai là. Depuis vous faire, vous avez un mauvais esprit qui entre sur vous déjà. Ou mourir, la vérité. Depuis un mauvais esprit qui entre sur vous déjà, ou mourir. Pour que ça vous mourir? Moi, je suis là qui doit rentrer sous en tant que chrétien. Si l'entre sous, c'est que la vie n'est pas en condition. Depuis, le lien entre sous déjà, ou mourir. Parce que, pendant que vous êtes sous, vous n'avez pas de bataille contre vous, vous n'avez pas de idée, vous n'avez pas de chasser encore, parce qu'il y a un gain. Qui gens sont capables de reprendre la vie encore sur le monde qui vous vient pour vous secours? Qui vous priez pour chasser des morts, vous êtes capables de reprendre la vie encore. Maintenant, moun ça, c'est un monde qui a servi avec bon Dieu. Or, ou même, c'est un monde qui est dans l'église. Maintenant, il y a une possibilité qu'on a pour ressusciter. Possibilité pour ressusciter, c'est très facile et très difficile. Tout. Pas bien que la Bible dit chercher premièrement le royaume mondial avec justice et tout notre bagaille va venir à quoi. C'est un verset qui résume toute la Bible, la Bible dit à quoi. Il résume toute délivrance, bon besoin de rien. Maintenant, là on cherche la présence de Dieu d'abord. On va dire nous faire un seul ou placer dans la quatrième dimension de Dieu. Qu'on y a, on a droit à toute bagarre. La paix de Dieu. Moi, j'étais mal pour me comprendre ça. Je n'ai pas pile de temps pour me comprendre ça. Mais là, je comprends ça, la vie commence à changer. La paix de Dieu. Il y a une situation de Dieu qui est baladant dans ta présence. Parce que je commence à comprendre le droit moi et devoir moi dans mon Dieu. Amen. Maintenant, qui s'est passé? C'est l'homme qui est resté bien net que mon Dieu de Bayoua. C'est où pour dégager ou pour faire retourner? Amen. Où pour dégager ou pour faire retourner? Soit dégager ou pour faire retourner, mon Dieu a bien et tout. Soit pas prendre décision, mon Dieu va vous pour la vie de Dieu. Amen. Peut-être problème par là, c'est problème de misère. Ou aller caille, ou aller manger, ou aller sandales, ou aller souliers, ou aller à l'école pour tout le monde, ou aux abois du courage. La bataille de Yahoo, comment ça va? Ou checker l'église, en est pas faite. Ou checker les amis, en est pas faite. Ou checker les gens dans l'étranger, en est pas faite. Ou avant de dire ça, vous faites. Et quand il y a quelquefois qui viennent dans un moment qui compte suicider ta tête. Et quand il y a des gens qui comptent dans un moment difficile, c'est qu'on s'en de on n'a pas parlé tout partout, et puis on regarde qui est là, il est là, il est là, il folle ou bien il fou. Mais, aucun autre sinon, mais on peut travailler, c'est travail, on va travailler. La bête de diabol, comment c'est beau. Aucun autre sinon, mais on peut travailler. Ou même personnellement, on a besoin de renverser la misère. Parce que la misère est l'autre pour renverser, la bête de diabol. Parce que la misère est l'autre qui saute sous, aucun doit ça. Et là, on commence à faire ça. Depuis une relation intime avec mon Dieu, la misère sortit. Il va sortir vite, mais elle a sorti. La vérité de Dieu.
Maladie qui a pas de problème depuis un an, depuis deux ans, depuis trois ans, c'est où qui t'es sur, là, depuis un mois, oui. Depuis un mauvais esprit qu'on a dit, on connaît sans ça, on connaît sans ça, on connaît sans ça, on dit, oh, passe ces maladies là, l'autre puis sortir sur, là, depuis un mois. Amen. Frapper maladie, on va passer l'abdomen, oui. Pendant les jours, il faut sommeil. Il est tellement bien placé, il faut sommeil. Mais frapper, puis réveiller. Dis réveiller, maladie. Maladie dans la hanche, maladie dans l'estomac, maladie dans la tête, maladie dans les oreilles. Passe au lot pour réveiller, pour sortir sur la vie. Parce que la vie, pas pour maladie. La vie, c'est pour le Saint-Esprit de Dieu, habiter la maladie de Dieu. Continuez à faire maladie à ça. L'air guéri ou pas qu'on est. Est-ce qu'on l'a fait marcher? Mais avant, bon travail pour faire, il faut qu'on renverse les champs du dedans. Orgueil, parler mal, esprit de vol, esprit de division, esprit rancune, esprit de haine. Il faut renverser l'esprit ça, esprit orgueil, esprit colère. Il faut qu'on travaille contre l'esprit ça. Et cherchez qu'on ait qui défaut gagne dans la vie, pour travailler contre eux, pour prier contre les défauts gagnants, jusqu'à ce que la vie change. La vie finit de changer, et bien toute bagarre change, la vie déjà. Est-ce que Jésus va bailler le pouvoir pour nous marrer pour nous laguer? Amen. Mais si vous parlez de c'est vous parlez de temps, oui. Si vous êtes marrer, c'est vous parlez de temps. Vous avez besoin de pouvoir, c'est le diable qui marre. Vous allez vous marrer, c'est le diable qui marre. La bataille de diable. Parce que qui ça le diable a fait? Il est entré dans le jardin d'Eden, il a marré, monsieur Damien, avec un grand conseil. Mais au même tout, ce n'est pas un conseil, non? Satan va, jamais pas converti. Là, il va au conseil, il doit, c'est l'homme, vous d'accord, je ne suis pas là de ça. J'en ai là, vous ne pouvez pas arrêter seulement ce qu'on a dit la prière. Vous avez un monde qui est là pour la gagne pour vous, et puis là, même vous allez, vous allez cacher le monde là, où il faut remettre pour la bête de diable. Laissez ça, vous venez, puis mal. Vous avez une chance pour mourir. Dans le monde, ça a un bon remède là. Parce que c'est où que vous avez un remède? Ou qui ne sait pas un bon remède? Dans le monde, vous avez un bon remède passé. Ou bien, il y a un papa. Donc, résurrection après Maxime, c'est la fin à faire pour vous, c'est où que vous avez fait le côté. Voilà. Maladie, là. Passez l'autre pour retirer dans la vie. Persécution, là. Passez l'autre pour retirer dans la vie. Misère, là. Parce qu'il y a une autre qui est tirée dans la vie. La bataille de la vie, on va se dire. Quelqu'un qui compte tellement la misère, là, on va comme ça pour faire, quelquefois c'est dans la fornication, dans la dilité, on va entrer pour faire ce qu'on a. La bataille de la vie. Quelqu'un qui compte tellement la misère, on a compte dans l'église, il quitte l'église, là, il va nous voir, on va être plus la fête ce qu'on a. La bataille de la vie, on va se dire. Quelqu'un qui compte tellement la misère, il quitte l'église, là, pendant que l'église n'a pas fait la vie, on va être plus la fête ce qu'on a. Je suis toujours tellement dans la misère et je me suis 5 gouttes dans ma chambre. Je suis toujours dans la misère. Je suis toujours dans la misère. Mais je suis toujours en route. Je suis toujours juste bon. Regarde. Je marche pour me mettre dans la misère. Juste bon dans la misère. Je suis toujours 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 dans la misère. Jusqu'à ce que je retourne. Je suis toujours dans la misère. Je suis toujours dans la misère. Tandis qu'avant, je suis fait bolet, je suis joué bolet tout. Mais quand il y a, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ou c'est même royaume, mon Dieu, ou c'est petit, mon Dieu, ou c'est soldat dans le royaume, mon Dieu, pas bon, c'est roi des rois. La bataille de la roue, comme Marcel Bio. Si quelqu'un est roi, c'est roi, mais il n'y a pas roi des rois. Mais pas bon, c'est roi des rois. Si pas bon, c'est roi des rois, toute richesse c'est volé, tout ça, on a la terre c'est volé, monio c'est volé, pied bois c'est volé, roche c'est volé, caillou c'est volé, monio c'est volé, tout l'argent c'est volé, toute connaissance c'est volé, ou pas arrêter dans la misère, la bataille de la roue, comme Marcel Bio. C'est pour dégager pour sortir dans la misère, parce qu'on doit sortir. Son diable qui met dans la misère. Mais si vous prenez position contre le diable là, et le diable là sorti sur vous, et possibilité d'apprendre sur vous. C'est dans le plan de Dieu, je dis, moun va prier pour possibilité. Mais moi-même, pour des droits, moi-même, je dis, moun va prier pour possibilité. La bataille de la vie. Que situation en dedans, d'ailleurs, vous allez vivre avec l'argent, c'est l'argent qui retire la misère. Sur la vie. Pour sortir de la misère, il faut que son argent vienne dans le monde et il faut que la connaissance pour travailler avec l'argent pour la misère sortir sur la vie de diable. Si vous n'avez jamais de l'argent, vous mettez la connaissance là, vous allez sortir de la misère. Si vous n'avez jamais de l'argent, vous n'avez jamais de faire rien pour avancer. Donc c'est l'argent qui fait l'argent, la vie de diable. Eh bien, moi je suis capable de prier pour Dieu capable de faire un job. Je fais l'argent, la vie de diable. Moi je suis capable de prier pour Dieu capable de mettre un monde sur le monde et faire un cadeau de l'argent. Qui va permettre de faire un commerce. Et si je ne vais pas prier, on ne va pas gagner pour me vendre, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire la fête? La bête de diable.
Si on ne veut pas prier pour possibilité, il va vraiment mal diriger. La prière servie pour tout ça que nous avons besoin de faire. Il suffit pour qu'on prie. Ah, faut qu'on prie, oui. Il y a des gens qui prient en pile, mais on ne va pas prier. La prière servie. Si on ne va pas prier, on a des problèmes. Lundi, vous priez pour tout ça, vous gagnez. Tout ça, vous problème, vous gagnez. Vous ne pouvez pas être seulement prier des problèmes. Essayez, mettez-vous, on fait ça, non? Vous besoin prier pour que vous ayez une vie de fidélité. Vous avez envie de compréhension. Vous avez envie de résurrection. La paix de Dieu. Vous avez envie d'orientation. Vous avez envie d'obéissance à l'égard de la parole de Dieu. Et là, vous avez une condition. Vous ne pouvez pas prendre temps pour prier pour Dieu de niveau. La paix de Dieu. Mais si vous êtes en condition de prier seulement pour ça, vous avez besoin. On va prier juste là pour nous parler. Amen. Parce que mon condition là, c'est déjà, c'est chercher premièrement, royaume de Dieu avec justice, et tout le monde va venir après. Ou pas chercher le royaume d'abord, mais on va prier pour ça au besoin, c'est quoi on va faire. La paix de Dieu à vous. Frère Maxime, bon Dieu qu'on nous délivre, mais c'est où pour choisir cette délivrance. Est-ce que nous là? Ou bien que les anamènes, pour marrer, pour la guerre. Pour maudit, pour béni. Sous ma servie, ou dehors. Si Cléa dans mon bal, ou reporte là, ou dehors. C'est pour le reporte là. Et il y a un pote qui veut nous, il y a un pote qui veut nous fermer. Amen. Ou veut nous fermer tout pote malédiction que Satan te mette sur la vie. Amen. Ou veut nous ouvrir tout pote bénédiction que Satan te ferme sur la vie. Des familles qui ont eu l'homme étranger, la famille qui a fait ma servie. Des familles qui ont eu l'homme étranger. Qui est censé pour vous, qui a pensé à vous, qui a songé à vous, mais vous avez une famille qui font magie, qui fait mon nom lié, la paix de Dieu. Amen. Sous pas moi, il y a sa porte là-bas. Amen. Oui. Car, il y a un monde qui dispose de vous, un job, la paix de Dieu. Mais vous avez un autre monde qui font coup de langue sur un job là-bas. Sous pas moi, il y a sa porte là-bas. Oui. Ah, pour qu'il y ait clé, oui. Pour entrer dans la caille. Parce que les ennemis qui apparaissent pour la voir entrer. La paix de Dieu va faire ce mieux. Mais que le ciel va là, personne ne va arriver chaud à entrer. Les gens comprennent que vous avez une clé pour vous entrer. Maintenant, la paix de Dieu va faire ce mieux. La paix de Dieu va faire ce mieux. Moi, je connais mon état, c'est dans mes chambres. La fois dernière, tout le monde qui était dans la zone, qui était dans la zone, souvent dans son désert. Mais moi, je suis là au nom de Jésus. Et moi, je connais mon clé pour l'ouvrir, pour me faire. Et si méchant dépasse bon là, ici, il doit mourir, il doit mourir au nom de Jésus. S'il doit cocomber, il doit cocomber. S'il doit paralyser, il doit paralyser. Parce que moi, je ne vais pas bailler les gains au nom de Jésus. De moi, la fait avec moi, on va dans tout le monde. Je ne vais pas faire le voyage, je ne vais pas faire le voyage. Je ne vais pas faire le voyage, je ne vais pas faire le voyage. Donc, Kaila est arrivé à Moïse et Femmel, Chimé est arrivé à Moïse. Si vous pouvez faire le voyage, vous pouvez mourir. Et malgré tout ça, la raison que vous faites, vous avez quitté la zone, c'est que vous avez coupé la tête dans le coin de Kaila. Mais les gens qui ont coupé la tête, ils ont tous mouru déjà. Et c'est dans moi, nous, femmes, nous découper de l'air. Mais quand il y a mon Dieu qui est dans mon monde, la paix de Dieu à vous. Pas mal de diable, vous avez dit. Amen. Parce qu'on est sous le signe pour renverser le diable. Amen. Si on va renverser le diable, on a combat, on perd la bataille, on a souffert jusqu'à la route. Maintenant, plan de Dieu, c'était pour l'homme de vivre bien. Mais plan Satan, c'est pour l'homme souffrir. Après que l'homme, Satan finit par l'homme, quand ça y est péché, on est dans l'homme. Ça sépare l'homme avec mon Dieu. Mais il y a une chance que nous gagnons. Je ne veux pas dire à Jésus venu. Il va nous pouvoir pour nous marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir ça? Amen, 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 amen. Il va nous pouvoir marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et que rien ne pourra venir. Ou tout ça qui est nous, c'est l'ennemi. Et qu'on pourra contre nous. Persécution, c'est l'ennemi. Misère, c'est l'ennemi. D'être là, c'est. Et maintenant, ça, on a un problème dans le domaine de l'église. La paix de Dieu, on va se mieux.
Si on ne prend pas position pour servir mon Dieu, on a vraiment un problème. On va ton bagaille. On va dans l'église là. Si on achète ton bagaille crédit dans mon monde, pendant que c'est mon église qui est pareil, si on va dans l'argent pour payer mon nom, et vous avez besoin de toucher comme ça, on va payer. Papa, il va se faire encore, il va se faire encore, il va faire encore. Mais la braille, la jure, la parle mal, la critique, la passe sur, il va dire bonjour. Si on va prendre position pour vivre la vie, on va vivre. On drave, frère Maxime. Mettez Jésus sur la vie, vous voyez, dans des papas. Pas de la vie dans ce sexe, là, c'est Jésus qui gagne. Mon qui place, vous avez guérison, c'est vous avez maladie. Je ne veux pas dire un docteur qui nous a ou un seul de monde qui t'a placé, vous avez la vie, c'est vous avez la mort. Je ne veux dire ou un pasteur qui a des âmes qui a tiré. Moi, je connais un pasteur qui a des âmes. Car le terre de choucage, il vit des âmes sur le monde pour le capable de récupérer le terre de choucage. La bataille est un pasteur. Et tout le monde connaît ce pasteur lié. Attention, papa. L'évangile est dans la Bible, oui. Est-ce qu'on a une Bible? Est-ce qu'on lit la Bible? Amen. Est-ce qu'on va y prendre la Bible? Est-ce qu'on cherche mon Dieu? Est-ce qu'on croit aux petites bon Dieu? Est-ce qu'on croit si on peut la sonner pour nous attendre ou les oreilles pour attendre? La bête n'a pas accepté. Est-ce qu'on peut préparer pour voyager là déjà? Dégagez-vous. Posez des questions. Si on vous comprend, à partir de jeudi, commencez à mettre au point. Si vous avez des oreilles, à partir de jeudi, travaillez pour des oreilles. Parce que vous avez besoin de mon Dieu. Vous n'avez pas vu ça, mon Dieu, dans ce sexe-là. Je vous dis comment la vie est tragique. On est qui doit arrêter, ils volent. Vous connaissez une dame, ils ont fait une histoire, ils ont dit qu'il y a une dame qui est mariée. Et puis, Marie a un cop américain, il mettait une dame qui est dans un cop là. Le mari a cherché comme là, il va avoir demandé, il a demandé, il va connaître. Et puis Marie a convoqué, il faut une expédition. Pendant qu'il faut une expédition, il a demandé à voir le mettre dans la machine a fait accident. Quand la machine a fait accident, 15 personnes mourent dans la machine. Combien de personnes qui ont pris l'argent? Et combien de personnes qui ont mouru? Sans compter sa pierre, coupé. Il y a des gens qui étaient campés, qui étaient dehors, c'est des machines qui foutent ensemble et qui ont chaviré. Et bien tout le monde qui était chuté dehors, qui est occupé. Il y a un seul monde qui était pour l'argent. Est-ce que vous avez la vie de jouer? Non. On va pas jouer dans les machines. Non, non. Mais moi-même, je dis ça, frère Maxime. Moi, je ne vais pas dire que je ne vais pas jouer dans les machines. Vous avez des gens qui sont dans la machine là, déjà? Je ne sais pas si on a une expédition, parce que l'expédition, on a pour envoyer et voir l'autre temps dans les choses. Mais moi-même, je ne vais pas dans l'accident. Parce que je ne vais pas dire que je vais faire mon. Si je ne vais pas dire que je vais faire mon, je vais mettre un accident dans les choses. C'est pour voir, vous pensez que déjà pour vivre la vie. Si vous faites ça, votre vie. Frère Maxime, bon Dieu, t'a créé l'homme 500 tâches pour le vivre avec vous tout le temps. Mais péché séparé l'homme avec bon Dieu. Et péché à côté, il mettait l'homme dans la misère. Il mettait l'homme dans la division. Il mettait l'homme dans la haine. Il mettait l'homme dans le vol. Et où il vient au moment où on est à côté de mon père, de mon frère Maxime. Où est tout le problème qui vient? Ce n'est pas bête à mon qui vient. C'est mon à mon qui vient. Mon père, de mon. Où est même dans l'église? Pasteur, 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 leader, pasteur, leader. La fin de diavol. Ah, il faut que l'évangile personnel à vous-même pour vivre la vie. Après ça, vendre la vie, frère Maxime. Donc, mettez Jésus dans la vie, vous entendez? Fais Jésus personnel à vous-même. Pas servir Jésus à l'autre monde. Gros servir Jésus, mais pour chaque monde qui est Jésus. Dès que vous servez Jésus, c'est de gros qui est Jésus. Dès que vous comprenez Jésus, c'est de gros qui est Jésus. Et si vous ne comprenez Jésus, vous avez Jésus même. Donc, je souhaite que bon Dieu va aider vous comprendre la parole de ça. Et à ça, va vraiment avoir des résurrections pour vous. Ou va ressusciter. Dans l'homme bon malade, si qui va jamais bon chance là. On va ressusciter dans l'homme bon bien lavé, qui va bon chance, tout ça on fait passer sans effet. On va ressusciter dans la persécution, voisinage, dans la persécution familiale, côté de
Alors, si j'ai demandé d'avoir profité de quitter l'église, c'est quitter l'église, mais si pas d'avoir quitté, c'est la carrière. Donc, moi, en tant que leader, je me demande pour vous marier. Et pas qu'un chap qui va manger au nom de Jésus. Mais d'abord, là, il marié au nom de Jésus, la vie. Quand on a encore qui marié, et puis quand il finit de marier, 9 jours après, et puis, quand le diable qui venait, il prend un couteau, il dépose sur la table, et puis il commence à gratter son compte, comme si c'est marié à la perte là, et pourtant, c'est un diable qui est dans lui. La vérité, j'ai dit. Et puis, je me parais dans le cas là, et puis, dame dans le relève, et c'est dormi, je n'avais pas dormi, si je n'étais que dans le cas là, je mettais dans le cas là, je mettais dans le cas là, et puis, je me tournais, et puis, je relève, je mettais mes chemises sur moi, je mettais dans le cas là. Mais dans le relève, ça prend des heures de temps, je me suis dit, je ne vais pas dépasser. Et pendant que je parlais, je me sentais qu'un problème satanique dans le foyer. Et là, comme il y a, je me sentais dame dans le parler avec l'âme aux yeux. Et parce que ce problème qui est dans le monde qui est dans le pays étranger, et puis l'aide fin de marié, et puis si vous n'avez pas l'âge de 4 ans, il va pas parler créole, sans blague parler. Si vous parlez à ce monde, ça ne va pas partir de ce monde. Et puis quand il y a un problème qui vient de déclencher, il va dire, on va parler à papa ce monde. Si il parle à papa ce monde, mais s'il y a quoi, c'est placer la place qui est dans le pays étranger, à la bataille d'avant. Et ça crée un problème. La dame n'arrive pas à parler à la petite tête, et puis. Gloire pour l'énergie, il s'est arrêté. Et là, je checkais le problème là. Je checkais le problème là. Du point de vue spirituel, je m'arrête la solution. Je checkais du point de vue social, je m'arrête la solution. Je checkais du point de vue juridique, je m'arrête la solution. Je dis, dame là, quittez le problème là pour moi. Fais silence, je m'a cherché le problème là. Par la prière, de loin et de près. Pendant que je dis ça, et puis, j'ai appris dans la tête, dame là, monsieur a monté. Et puis, je prends un bactère, il prend un bactère, il prend un bactère. Et puis, je passe le même point. Et puis, là, je me questionne. Il dit, c'est quoi d'un billet? Sans l'air sorti. Il dit, mais quel problème il y a? Il dit, mon sao qui doit marier, il ne pas dire ça. C'est libre de dire ça. C'est libre de ne pas marier. Là, il dit, diable. Il dit, diable, là, non. Comment l'air que vous ne connaissez pas? Si quelqu'un est en Christ, il y a-t-il une nouvelle créature? Les choses anciennes sont passées. Alléluia, gloire à Dieu. Mais toutes choses sont devenues. L'air de avant. Pas de tout y a marié. Mais on est assez dans Jésus. Il y a dit Jésus y a marié. Et même tout ça, je dis diable au nom de Jésus. Vous pouvez quitter mon yo vivre mariage à vous. Quand on a ce seul sort à faire, c'est quitter pour vivre mariage à vous. Et puis il dit oui, je vais quitter parce que moi-même trop après. Mais si c'était l'autre nègre qui est en bas, je connais ça me tape. Les maris de l'autre nègre qui est en bas, sont tantôt un messie qui va encore. Et puis il dit la main, ravage le nègre parce que tu vas aller à travail. Et la main, je la jette. Je dis ma femme est dans ça. Mais quand on a ça, vous mariez au nom de Jésus. La bête de diable. C'est Jésus qui m'a dit vous mariez, vous mariez. Diable pas ta foi dans ça. Remarquez-vous que mon Dieu bénit. Oh, 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 oh
Jésus changé l'hiver en été. Est-ce que vous avez l'air plus haut pour dire ça? Mais pour ça qu'à faire crier à Jésus changé, il changé l'hiver en été. Dis ça avec toute autorité, dis ça avec toute nouvelle, dis ça avec tout cœur, dis ça avec toute vidéo. Oui, nous, Jésus changé l'hiver en été. Allez, ça te fait le bon nom pour dire ça à l'hiver. Jésus changé l'hiver en été. Aïe, 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 aïe. Levez-vous pour dire ça. Levez-vous pour dire ça. Ça va faire vous crier. Jésus changé l'hiver en été. Est-ce que vous avez levé pour dire ça? Jésus changé l'hiver en été. Levez-vous pour dire ça. L'hiver en été. Comment tu dois dire ça plus fort? Jésus changé l'hiver en été. Ça crée pas de mon nom. Fais-moi ma pelle. Ça va tout dans la mort ma pelle. Ça va pas crier. On dit Jésus changé l'hiver en été. Mais ils sont mettre frappé. L'église en a dit ça. Tu veux qu'on dit ça. Ça va pas crier. Ça va pas dire ça. Jésus changé l'hiver. Jésus n'a changé l'hiver. Et tu n'as pas envie. N'excuse rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regards et pierres car je suis ton Dieu. Je n'ai pas aussi fille. Mais qui s'en dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je viens à ton secours. L'Éternel a fait ton secours maintenant. Réclamez-toi. Après cette Kébola. Réclamez-toi, mon père. Des maladies Kébola. C'est ça, c'est lui qui t'a dit. Réclamez-toi. Réclamez guérison. Réclamez liberté. Quand Dieu nous va passer. Réclamez liberté. Dans la famille où sorti. Dieu nous va chemin. Réclamez liberté, réclamez prospérité, réclamez succès de vos péchés dépendants, réclamez liberté, réclamez repentance, réclamez! Jésus m'a changé l'hiver. Ça ne va pas dire ça, Pio. Jésus m'a changé l'hiver en été. À côté de ça, malgré tout de la caillou. Aïe, aïe, aïe. Levez-vous pour dire ça. Jésus m'a changé l'hiver. Est-ce que vous avez déplacé mon nom de ça? Faut que tu marches mon nom de ça? Jésus m'a changé l'hiver. Musicien frappé. Levez-vous à frapper. Levez-vous à frapper. Frappez de votre tour. Jésus m'a changé. Chaque fois que nous avons prêché, la ville de vous en secret, elle réclame droit. S'il découvre secret, elle réclame droit et elle partage la même. Nous devons rentrer moi-même de vous réclamer droit. Vous réclamez droit devant maladie. Vous réclamez droit devant esprit de pauvreté. Parce que mes amis, dans le livre de Psaume 24, à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Si tout ça qui existe, c'est pour l'éternel, moi-même, c'est pour l'éternel, moi et tout. Sans prophétiser sur moi pour faire mal là. Je vais prier l'éternel pour prophétiser sur tout.
Jésus m'a changé. Libère. Combien de monde qui perd espoir soir là? Levez-moi pour dire son nom. Jésus changé. Libère. Levez-moi adoration. Musicien m'a dit ça. Assemblée m'a dit ça. Jésus changé. Levez-moi, levez-moi. Levez-moi, levez-moi. Levez-moi. Adoration, Jésus changé. Libère. Devant sa parole, on a dit ça. Devant sa parole, crier a dit ça. Jésus m'a changé. Libère. Enlevez. Ou qu'on met qui puissant, ou qu'on met qui nous puissant. Pour Dieu, vous ne m'avez pas de gros poètes. Il y a une capacité pour faire tout le bagaille. L'homme qui a déclaré pas rien. Mais l'éternel, c'est pas trop salé pour moi. Jésus changé. Libère en effet. Pendant trois fois et puis après maintenant la femme fait ça comme le bouillé assurance son chemin tracé sous la vie dis ça avec tout compte avec tout cœur et chacun qui l'a trouvé pour dire ça Jésus changé libère. Yon dernière fois Jésus changé. Jésus changé. Jésus changé, libère. L'oublie pour je vous dis ça. Vous m'avez Jésus m'a changé, libère. On est né. C'est pour mettre les choses marcher d'ailleurs. C'est pour prospérité marcher d'ailleurs. C'est pour succès marcher d'ailleurs. Jésus m'a changé, libère. Thank you.